Alors, ben, je vous souhaite le bonjour, cher ami. Et puis, ben, là, je vous présente ma Jeep. Une Jeep Willys des années fin 45. Et ben, cette Jeep a été restaurée, évidemment. Et, on en prend soin, avec amour, quoi. Hein? Alors, c'est une Jeep qui, malheureusement, n'a pas fait le débarquement, mais qui a été conçue fin de guerre. Après, nous avons derrière un command car. Alors ce command car, lui, c'est de première génération que j'ai restauré cet hiver. Et ce command car, je le trouvais en vallée de la Seine. Et il a servi comme dépanneuse. Alors ce command car, j'étais obligé de refaire tout l'arrière parce qu'il était coupé et ils avaient installé une grue dessus pour faire une dépanneuse, quoi. Voilà. Alors, c'est un véhicule de 1943. Ici, ben, c'est un W53 GMC que je viens d'acquérir. Alors là, je ne connais pas l'historique. C'est un véhicule de transport de troupes avec tourello et mitrailleuse sur le dessus de la cabine pour les attaques aériennes ou alors souvent c'était de la troupe ou du matériel hein, qu'ils apprêtaient. Voilà. Et pour finir, ben, nous avons ce 353 là, 300, oui, de dépanneuse, ce qu'on appelle le lot 7. Le solo 7, pourquoi ce lot 7? C'est parce qu'il avait 7 lots. 7 lots de dépannage. D'accord. Alors ça comprenait le portique comme vous pouvez voir, ça comprenait les tiroirs d'atelier, un établi et puis de l'outillage divers pour faire des premiers dépannages. Have sugar, one you love, you'll arms. Stepping out with you will be the same to lose.